Bonjour à toutes et toutes, Papy Gamer qui vous retrouve avec plaisir pour Battlefield 1, Battlefield 1. Alors je vous entends que Papy Gamer, ouais, ok. Alors, contrat de licence utilisateur final, bah, refaire accepter, si je fais refuser, je suis éjecté du jeu. Donc, là, vous partagez automatiquement votre profil. Oh, ok. Alors là, il n'est pas entièrement téléchargé. J'en étais à 95%. Bon, je peux le lancer. C'est vrai que c'est un essai gratuit. Pour tout vous dire, quand on a, comme moi, bon alors c'est bien cadré, quand on a le, comment dire, j'avais pris pour un an EA Access, c'est ça, hein, ouais, EA Access, donc on a le droit à des jeux gratuits, hein, Battlefield 4, Dernier Golf, tout, bah, différents jeux, hein, j'ai... le truc avec les zombies et les plantes, là, le 2. Pas mal de trucs, on peut avoir FIFA, ça doit être FIFA 15, qu'on a gratuitement, des trucs sympas, quoi. Et là, bah, j'ai vu que je pouvais avoir l'essai gratuit de Battlefield 1, mais il me reste 10 heures. Donc, on y va. Voilà, je vais laisser à 50. Alors, haut-parleur grand, haut-parleur, il y a casque, ok, casque, ça c'est pas un... je sais pas si c'est un pro le mien, hein, c'est un G430, à goûter, pour en profiter. Alors on est sur la Xbox One. Bon, je vous laisse, ceci est une cinématique, je vais vous laisser en profiter. Ça va aller. Stay 99 and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be. Je vais aller dans les options parce que le son, alors commande jouabilité audio, alors volume général, on va le baisser parce que je voudrais qu'on m'entende. La musique, ouais, ça on peut la baisser. Réglage audio, voilà, stéréo, Logitech, ouais. Alors, bah les voix français,
mon équipe parle ma langue. Voix de l'annonceur, ouais. Voix de l'annonceur. Oui, c'est comme ça. OIP, volume. OK. Sous-titres, ils sont activés. Voilà, activé, OK. Bon, bah alors, ça devrait être correct. Bon. Par contre, maintenant, je suis plus du tout bon pour ces jeux-là. Mais là, l'ambiance est... Non, l'ambiance, franchement, c'est... ça envoie du lourd. C'est... ça me rappelle les bons vieux... avant qu'il y ait Call of Duty, il y avait... Il y avait comment, attendez... Il y avait Medal of Honor. Mince. Ah ok, c'est un scénario. Ah d'accord. Nous venions du monde entier, pensant que cette guerre serait notre rite de passage. Notre grande aventure. Laissez-moi vous le dire. Ça n'avait rien d'une aventure. C'est la quoi. Avec moi lui, il fait quoi? C'est quoi ce ralenti? Pas de grenade? Non. Je peux pas le tuer. Avec moi ou quoi? Ah non! Bon, il a pété. Ça pleut par les fenêtres! Ok, ouais, ça fait partie un peu de... De nouvelles machines de mort, comme les chars. La présentation. Ont modifié la guerre du jour au lendemain. Heureusement, la plupart étaient dans notre camp. La plupart. Vos sont fait déborder à l'église! Il faut avancer! L'infanterie compte sur nous! Ah, c'est vraiment bien fait, hein. À l'ambiance, tout.
mitrailleuse. Parlez d'une seule. Continuez, pilote. C'est un de nos pilotes là-haut. C'est par terre que ça se passe. Ouais, on veut pas trop. J'arrive depuis les tranchées. À la mitrailleuse. Hachez-les. Changer. On les a mis en fuite. Continuez. En avant. Je croyais même pas que c'était Y pour changer d'arme. Ah, forcément, ça surchauffe. On va renvoyer les Boches à Berlin. Ah oui, ça rappelle les... Le canon l'a eu. On fait une cible de raid pour cette chose. En avant, pilote. Faites le tour. Ah, les premiers Medal of Honor, là, avec bataille de Stalingrad. Accrochez-vous. On y va. C'est où la cible? Un canon. Ouais, mais là... Ouais. Bon travail. Ouvrons le chemin à nos gars. Rejoignez le reste des chars. Le haut de mon viseur, il était obstrué. Est-ce que c'est des dégâts dans le char ou quoi? Restez concentrés, soldats. En avant, mon dieu. On approche du but. Tirez sur tout ce qui remue. Oh là là. On va y arriver. Ah, c'est géant, c'est grandiose. Franchement, l'ambiance là, avec le casque. En guise d'aventure, nous avons connu la peur. Car à la guerre, nous sommes tous égaux. Je pense que ce jeu va avoir une belle campagne solo, parce que là, on est dans l'époque. Ah, quand on a le masque, on peut pas se servir du viseur là. Ah, c'est bien foutu parce que quand on a le masque, bah, comme dans la réalité, on peut pas viser quoi. Tire au jugé quoi. C'est avec un masque à gaz. Attends, on tire dessus là. Il m'a eu. Bon, là. Ah, je suis vraiment plus balèze dedans. Ah!
Ouais, je l'ai eu, mais bon. Ça se fait que j'avance pas vite. Bah, coup de pelle, ça va. Ah mais c'est grandiose hein, quand même. Il pousse. On pousse. De temps en temps, on pousse assez fort pour que la lumière perce à travers les nuages. Et on voit briller un monde au-delà de la guerre, juste hors de portée. Et le monde est la guerre. Mais derrière chaque viseur, il y a un être humain. Nous sommes ces gens. À la fois blasés et naïfs. À la fois hommes d'honneur et criminels. Nous sommes des légendes à venir. Et des oubliés de l'histoire. Nous sommes les chevaliers des cieux, les fantômes du désert. Et les rats dans la boue. Voilà nos histoires. Ah bah franchement, ça promet. Ouais, ça rappelle vraiment l'atmosphère, l'ambiance des... Même des premiers Call of Duty. La guerre s'est étendue au monde entier. Vieux empires et nouveaux mondes. Vieilles méthodes et idées nouvelles. Toute l'humanité a combattu. Pour la liberté, les traditions, l'orgueil national, le progrès, les valeurs éprouvées, la voie nouvelle. 100 grandes idées nous ont amenés à faire la guerre qui devait être la dernière. Et le monde a viré au rouge. Bon alors, tempête d'acier, alors c'est écrit trop petit pour moi, je suis obligé de me lever. Percée allemande. Un monstre. Bon, on va essayer ça, on va voir ce que c'est. Lever de soleil, on sent, on y va. Ouais, c'est bizarrement fait le truc. On va mettre en ouais, normal, ok. Bah, on se retrouve là. Hein. On va voir si on peut. J'avais sélectionné la mission du haut, là j'ai choisi celle du bas, là dans la boue et le sang, on va voir hein, si c'est la même chose que ce que j'ai fait aussi avec le char. Apparemment là c'est avec le char. Est-ce que c'est la même chose qu'on a fait, qu'on tirait du char? On va voir. Bon sinon, bah, écoutez... On a refait ce qu'on a pu. Ribécourt, France. On va voir. Alors, je vous laisse lire, pour vous c'est plus facile. Les temps de chargement sont assez longués. Ah ben, on ne l'a pas vu. Ça, on l'avait dans
dans l'intro du jeu. Ok, ça on l'a pas vu. Edwards. So, Townsend, venez, vous allez adorer. J'ai consulté votre dossier. Et soyez tranquille, je suis prêt à me battre pour ma patrie. Tant que vous savez reconnaître la marche avant de la marche arrière, moi ça me va. Allez, prenez ça. Je vais vous présenter Big Bess, la femme de vos rêves. Ouais, tout de suite on sent l'angoisse. Les yeux du gore. Pilote, les gars. Se retrouver enfermé là-dedans. Faut pas être claustro. Ok, dans la boue et le sang. Oh non, 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 faut pas jurer. Elle aime pas trop quand on jure. Finch. Edward. C'est ta première fois ? Hé, hey, de quoi tu parles ? Fiche-nous la paix, MacManus. T'inquiète pas, elle veillera sur toi, d'accord ? Bien, les gars. Là, c'est pour de bon. Ah oui, ils ont une poule dedans. Nos ordres sont de percer la ligne allemande et de détruire au passage leur position d'artillerie. Finch, tout de suite. Bon, de l'action en préparation. Nous continuerons d'avancer vers la ville de Cambrai. Où on m'a assuré qu'il y aurait du vin, des femmes et des chansons, ce qui devrait vous plaire. Ah, MacManus. Bon Dieu, vous êtes sûr qu'il sait conduire au moins ? C'est bon, MacManus. Compris, les gars ? Faites votre boulot. Veillez les uns sur les autres. Et Bess veillera sur vous. Et que le Seigneur ait pitié de nos âmes. On sortira tous ensemble, pas vrai, Edwards ? Oui, bien sûr. Plein gaz, pilote ! Il a pas l'air de... Il a pas l'air d'être sûr de lui, le pilote. Wow ! Impressionnant. Bon, alors... C'est pas moi qui pilote. Ce maudit oiseau, ses plumes. Il mue, MacManus. Les oiseaux muent. Je vais lui arracher les plumes. Du calme. Ce pigeon pourrait vous sauver la vie. C'est notre seul moyen de communication. Moi, je dirige le viseur. Ça va là-haut, Edward ? Oui ! Je commence à attraper le coup. Je faisais quoi, d'armes. Je conduisais. Une voiture. On peut pas tirer. J'étais chauffeur. Halt ! Nous sommes assez loin. L'infanterie avancera au premier coup de sifflet. Ensuite, ce sera notre tour. Dieu du ciel. Quelqu'un a déjà vu une chose pareille ? On peut pas tirer. Oui. Hélas. Écoutez, nous allons détruire les canons qui sont près de ce moulin. Ouais. Laissez du champ à nos hommes. Voilà le signal. Le gaz ! Ah ok, moi je tire. Ouais, je dirige pas le... Ah bah oui, je dirige le char. Ah ouais. De nos hommes. Qu'il ne soit pas mort pour rien. Avancez. Ah, au départ, oui, je pilotais pas le char. Attendez, là je peux... Ok, c'est derrière cette bâtisse-là l'objectif. Ouais, on passe vraiment partout. Bougez, trouvez une position de tir entre ces canons.
c'est bien ça, faire sauter, non? Nous avançons lentement, qu'est-ce qui se passe, Finch? Ah. Le moteur va bien, sir! C'est la boue! Ces mitrailleuses empêchent nos gars d'avancer! Gardez cette position et détruisez tous les canons allemands! Passe vraiment partout. Ça va, mais mieux vaut éviter ces tirs. Tu es en train de rater le spectacle, Finch. Oh là. J'arrose tout ce qui bouge. Je sais pas si ils sont avec moi ou contre. Pour le roi et la patrie, les gars! Bien joué, mais la journée n'est pas finie. Par contre, la voix là, ça fait pas. Ça fait pas époque. Le char, non. Ah merde. Ok. C'est bon. Pour une efficacité maximum, utilisez la mitrailleuse pendant le rechargement du canon. Ah ouais, ok. Alterner entre les deux. Attention! Vous l'avez eu!
éliminer les derniers Allemands. Essayer de les avoir quand même. Excellent tir. Merde. Oh là là là, je suis franchement mauvais. Choisissez bien votre moment pour réparer car vous serez vulnérable pendant la durée des réparations. On fait comment pour réparer ? Et réparer en plein combat. Je recommence là. On va essayer de contourner. Comment pour réparer ? Oh le pauvre, me fait mourir bien trop souvent. Bon, alors là je suis nul, je le concède. Oh non, on est Marlowe. Continuez. Bon.
une autre approche là. Approche meilleure. Restez sur place. Éliminez les derniers Allemands. Restez concentrés, les gars. Je donne du rôle à Pigeon. Il n'a pas l'air de son assiette. Laissez le Pigeon. Il approche. Ce char d'attaque de la bouilline, nos gars. Edwards, allez-y. Les tireurs, touchez les points faibles. Ce char vient sur nous. Merde. Baisse-moi, qui était sûr de tir. Allez, accrochez-vous. Oh non! Au moment où il disait... Il est dur à défoncer, ce char-là. Ouais, écoutez... Écoutez, je suis vraiment pas bon. Ouais, merde. Bon, on va essayer de le contourner. Les tireurs, fichez les points faibles. Je pouvais le contourner, ce Panzer. Un char vient sur nous. Ce canon va nous ralentir. Détruisez-le. Bon. Oh.
Ramenez-nous au combat. Attention, c'est une grenade. Best pour qui c'est sûr de tir. L'avoir. Putain, merde. Oh, le Panzer. Sable ou quoi? Ok, bon, je préfère les batailles à pied. Edward, ça va? Ça va. T'es sûr? Vite! Il y a une belle mise en scène qui met bien dans l'ambiance. Ça va être réparé, ça va me le dire. Allez, reprenez votre place, pilote. Ok. Restez à l'écart de ce canon. Il me tire dessus. Faites quelque chose. Servant du canon tué. Bon travail. Un canon, vite, détruisez-le. Un canon, vite, vite. Quand même.
Merde, pas ça veut faire. Ok. Donc on peut descendre. Ouais, se mettre à couvert. Ok, je commence à comprendre les mécanismes du jeu. On se met à couvert, on descend, on répare nous-mêmes. Bon, c'est pas mal. Bon, une fois qu'on a compris les mécanismes du jeu, le char a l'air d'être en pas trop mauvais état. On les avait tous détruits. Il faut aller là-bas. Ouais, la voie, alors... Allez, les fantassins comptent sur notre avancée. Ça fait bizarre, on dirait pas que ça vient... Je sais pas si le gars, il est dans le char ou quoi, mais... Ça paraît pas crédible, le son. Surveillez ce canon ! Canard.
ces pièces. Ok. Bon, ouais. On progresse. Vous êtes trop près de ce canon. Ouais, le problème. Faut que je me mette à l'abri. Laisse nous faire de drôles de bruit. On va aller se planquer. Ça marche. Non. C'est pas ça, merde. Qui est en train de réparer là, j'entends comme le bruit de réparation. Ah, je peux le réparer étant dedans. Ok. Bah c'est génial ça, même pas besoin de sortir. Les environnements sont bien faits, ouais. C'est quoi ce son qu'on entend? Comme une crémaillère. Indestructible. J'étais en train. Oh, en plus j'avais fini la réparation. L'autre, un coup de canon, il est mort quoi. Et moi j'en vois 4 et toujours intact. Alors on a vraiment de la merde pour rouler. Hein. On va écouter, là, la vidéo va être très longue, donc on va s'arrêter là, je pense. En plus, il y a tant de chargements à chaque fois. Mais vous aurez vu une approche du jeu, de la campagne solo, quoi. Donc, regardez, là, c'est beau. Il faut détruire ces pièces. Ouais, c'est quand même beau. On peut descendre du char, se balader. Voilà, on va se mettre là. Et voilà, pour se dire au revoir. Et ben, j'espère que ça vous aura plu, ça vous donne une idée là de la campagne. On est loin des Infinite Warfare dans l'espace, tout quoi. Là, on retombe dans Bravo Battlefield. Parce que les gars, ils nous replongent dans l'ambiance des bons vieux FPS à la Call of, les premiers. Hein. Les premiers Call of, quand même. Et puis, les.
commande que j'avais dit tout à l'heure, là. Oh, ben, je cherche le nom, j'ai le nom sur le bout, bout de la langue. À l'époque, avant les Call of, c'était... Je m'allonge. Mince. Ah, je retrouve plus. Ah, vous me le direz dans les commentaires. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure. Avant les premiers Call of, il y avait la série Medal of Honor. Oh, voilà. Ah, quand même. Medal of Honor. Oh, ça, c'était super. Mais bon, ils ont été bouffés par Call of Duty. Et ils en avaient refait un il y a quelques années, mais qui a pas accroché. Ok, bah sur ce, je vous laisse sur cette belle vue. On voit le char là qui a une drôle de forme. Il était bizarre ce char. Ok, bah sur ce, je vous dis à la prochaine. Amusez-vous bien, portez-vous bien. Bye.